Ok, bon, et eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Soma pour cet épisode 6. Et je fais attention à ce que mon chat m'attaque pas, comme d'habitude. Et je vous... Enfin, on s'était quitté la dernière fois devant toutes ces pièces avec donc des noms Guy Conrad, Nadine Master, Maggie Combrady, Brandon Won. Donc elles sont pas toutes ouvertes en fait, vous voyez, celle-là elle est... Celle-là, je crois qu'on peut pas y aller. Voilà. Donc, on a un petit peu de temps. Donc, je vais commencer par la fin, comme ça, on avance, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a de la lumière par ici? Oui. Ok, parce que... C'est un noir total. Par contre, la lumière fonctionne très très bien. Ok, il y a du sang. Ok. Un papier avec du coup une photo de lui et de sa femme, j'imagine. Ok. Il faut bien mourir, de toute façon, je suis partant, j'ai foi en Sareng et dans la continuité. Un dessin. Bon. You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Ok, rien de bien passionnant. Ok. Alors, là-dedans, rien. Non, il n'y a pas de corps là-dedans, ça s'entend. Des caleçons, des chaussettes, des t-shirts de pathos, machin. Bon, ok. Première salle donc faite. Moi je voulais la lumière, mais ok. Il y a un truc pour me soigner ici, bizarre. Bon, et il n'y a pas grand-chose du coup. La salle est plutôt... Enfin, est trop sombre pour regarder. Ok. Donc, ah, ça a l'air important, c'était écrit en gros. Chers amis, quand vous lirez ceci, je serai à bord de l'arc. Comme je l'ai expliqué, pour y parvenir, il vous suffit de vous suicider après votre scan. Pour ne pas effrayer Catherine... Oups, pardon. J'incorporerai des sels de cyanure dans mon chewing-gum que je mettrai dans ma bouche afin d'aller la voir. Dès que je l'entendrai annoncer que le scan est terminé, je mordrai dans le chewing-gum, ce qui entraînera rapidement mon décès. Lorsque vous découvrirez la vérité sur ma mort, sachez qu'il ne s'agit pas d'une tragédie, mais d'une victoire. Je vous conseille d'en faire autant pour me rejoindre à bord de l'arc. Ok. Donc les mecs, en fait, se tuaient tout simplement pour aller dans le monde virtuel. Okay, le mec regardait, s'intéressait à... aux machines, enfin, au WoW, si j'ai bien compris, tout ce qui est là, c'est le WoW en fait. Enfin, les machines qui servent à nous soigner, entre guillemets, ça a l'air d'être le WoW. Monsieur Sareng, la compagnie est ravie d'apprendre que vous avez réussi à implanter le WoW dans toute la station, voilà. Compte tenu du caractère inédit de cette opportunité, nous espérons que vous mettrez tout en œuvre pour explorer et percer ce mystère. Pour ce faire, vous devez veiller à ce que le docteur Johan Ross soit en mesure de diriger et d'utiliser le WoW depuis Alpha sans la moindre ingérence extérieure. En cas d'urgence, adressez-vous à Julia Dahl, au site Omicron, afin que toute forme d'opposition soit écartée. Cela dit, nous préférerions éviter d'en arriver à de telles extrémités. Le WoW est un projet important et coûteux, c'est pourquoi nous espérons que son développement ne se poursuivra sans anicroche. Ok. Ok, des recherches. C'est bon, j'ai vu. Et dans le dernier, il n'y a rien. Ok. Ok. Pas grand chose de bien
Elle est lourde celle-là. J'ai du mal à me déplacer avec celle-là. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Ok, donc le mec est carrément en train de... Enfin, on avait bien compris qu'il voulait qu'on se suicide, mais là il donne en gros une explication. Ouais, en gros le mec donnait des raisons pour se suicider quoi. Oh ça va, ils sont pas très lourds tes points, si je peux les soulever comme ça. Pourquoi tu dis ça toi? Ah c'est chez Catherine. Ok, on va fouiller à mort alors. Rien dans tes placards. Cool fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Oh la chaise. You don't have to search my room. We'll get by. Ouais ouais. Si tu dis ça comme ça, c'est que t'as des trucs à cacher. Ouais. Ok, beaucoup trop de lecture. Je suis désolé, hein. Mais là, beaucoup trop de lecture. Donc le journal, ok. Richard m'a donné des modèles d'IA que... Rin ne s'intègre pas bien, elle est trop réelle. Ok. Bon, en gros, ça, c'est pas important. Ouais, elle a raison, en fait, y a pas grand-chose. Ah, cette chaise. Maybe we should move on. Eh, tu me donnes pas d'ordre. Ok, j'ai envie de fouiller. Je fouille. Il nous en reste plus qu'une, Catherine. Ça va. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a plein d'outils et tout ça, mais ça a pas l'air bien intéressant. Non. Toujours pas. Ok, bon. Il n'y a rien de... Il était porté sur la bouteille, lui, hein. Oh mince. Ça va, elle est vachement fragile, ta bouteille, hein. J'avais peur de le trouver à l'intérieur, mais non, ça va. Attendez. Parce que les gens qui ne rangent pas chez eux... Voilà, c'est pas compliqué en plus, hein. Voilà, merci. Bon, allez, c'est bon, on peut y aller du coup.
Je ne sais pas trop par où aller. Je crois qu'on était déjà allé par là. On est allé par là. Et ouais, ça on a vu. Ça aussi, donc c'est plus par là. Je pense qu'il va falloir redescendre. Puisqu'il y avait un niveau moins 1, niveau moins 2. Donc je pense qu'il va falloir descendre quelque part. Là je peux me soigner, mais j'ai l'air d'aller plutôt bien. Donc c'est pas la peine. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir que j'ouvre ça? Ah non, on n'est pas allé là, pardon. C'est ici qu'on n'a pas dû aller. Je comprends pas, ça fait 1. 1, 2, 3, 4. Ok, bon. Je vais aller au 4. Parce que le 2, j'ai pas l'impression que je puisse y aller. Ok, par contre, ici, c'est la merde. Le WoW a bien infecté l'endroit. Je me suis fait mal, mais ça c'est un détail. Et on entend des gens crier et tout ça, ça rassure pas. Ok, rien du tout. Ça va monsieur? Ça a pas l'air, hein. Ok, bon, vide. Ok, donc les gens... Je sais pas s'il peut me voir avec la lumière ou pas. Mais je pense que... Je pense que c'est ici que je dois réinitialiser le... l'unité centrale ou je sais pas quoi là. Ok, il est juste là. Eh, j'ai une sacrée bonne idée là, hein. Je suis en train de l'attirer et de l'emmener ailleurs. Par contre, il vient sur moi là. J'ai l'impression. Juste là. Mais je sais pas du tout où est. J'imagine hein, que ça doit être ici que je dois réinitialiser les unités centrales, non? Je me baisse pour pas qu'ils m'entendent. Ok,
Ok, je l'ai énervé, je pensais que il s'intéresserait plutôt à l'extincteur plutôt qu'à nous. Mais en fait, il nous a carrément défoncé, quoi. Bon, on va retourner dans cette salle, je peux pas aller dans celle-ci. Celle-là là-bas, elle a pas l'air de servir à grand chose, donc moi je veux aller dans celle-ci, je pense qu'elle sert vraiment à quelque chose. S'il y a un monstre et tout ça. Mais en plus, il m'aime pas, hein. C'est un véritable labyrinthe, le bordel. T'as bien un endroit, avoir un endroit qui sert à quelque chose ici, je comprends pas, peut-être au fond, tout au fond. Je suis pas allé tout au fond, c'est vrai. Voilà, ici par exemple. Comment je réinitialise les routeurs? Ça m'aide pas beaucoup ce que tu me dis. Ok, il aime pas qu'on touche à son ordi. Ok, j'ai compris. Il aime pas qu'on touche à son ordi. C'est quoi ce monstre? Je sais même plus comment je fais pour regarder sur le côté, ça y est. Ok, c'est chelou, je comprends pas ce que c'est, hein. Ok, j'ai compris, t'aimes pas qu'on touche à ton ordi, j'ai compris. Mais moi, faut que j'y aille sur l'ordi, ok? Donc tu vas me laisser un peu. J'ai fini là, c'est ça? N'oubliez pas de réactionner le commutateur une fois les préparatifs terminés. Bon. J'ai l'impression que c'est bon. Ce qui me dit routeur actif derrière. Donc je pense que c'est bon.
Ok, il est juste là, donc il me bloque. Il me bloque la sortie. Hein. Ouais, je passais par là. Hein. C'est bon, normalement, si je cours, tout va bien. Voilà, c'est bon. Bon, ça a l'air d'être bon. On va remonter dans la salle où on nous demandait d'aller réinitialiser le routeur, justement. Donc, c'était un petit peu au-dessus. C'était le labo de Catherine, justement, non? Mais là... Ouais, c'est bon. Donc là, c'est bien rouvert. Hein. Enfin, c'est bien ouvert alors que c'était fermé. Bref, je veux pas savoir ce qui en sort ou ce qui peut y rentrer, justement. J'ai pas envie. Donc je crois que c'était par là. C'était là. C'était là. Quelle puce? Je me rappelle pas avoir trouvé une puce, mais ok. Insérer une puce contenant les données du scan. Ah, pardon, ouais. Chargement des données du scan. On devrait pouvoir obtenir un C. Bah, je sais pas. Je sais pas. Le premier par hasard? Ah, et il y a écrit, c'est ça? Ah! Annule! Annule l'envoi! Ok. Il a renforcé la sécurité. Ah, peut-être lui. Ah, ok, bah... Bah, y'a pas. Travaille actuellement pour Strohmeyer. Tu viens de le dire, tu viens de le dire. Donc ça doit être ça. Ok. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Ok. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened to you? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, no, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scam, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Okay, donc ça marche pas du tout. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. En fait, je peux charger différents trucs. Wait, Simon, you just reset the simulation. Ok. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? Ok. How did I get here? Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Thaden needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's okay. No one here. It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real.
Ok, donc le mec, quoi qu'on fasse. Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Ok, le chalet. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chan? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Okay, il est en train de stresser à mort. I'm trying to save the Ark. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chan, or I'll punch your teeth in. I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Ouais. Ok. Je pensais qu'il y a une puce. Une autre puce intacte. Mais ça, c'est que les scans. Ça, c'est que les scans des gens. Ils sont tous grillés quoi. Celui-là on l'avait fait je crois la dernière fois. Ah non, non ils sont tous grillés donc ça doit pas être ici. Alors si c'est pas ici où est-ce que ça peut être? Non, ça a pas l'air de bien vouloir m'aider, quoique. Non, ça a pas l'air de bien vouloir m'aider. Où est-ce qu'il est? Là. Non, pas du tout. Tu veux pas m'aider, Catherine, là? Je sais pas du tout quoi faire. Ouais. Simon, what the hell? We need to do this. Ouais, je suis au courant, mais... Là, je comprends pas énormément ce que je dois faire, quoi. Ouais. Je sais bien qu'il faut autre chose, hein, mais quoi? Je ne sais pas du tout ce qu'il nous faut, là. Je suis désolé, je suis un peu bas sur la cam. Voilà, je suis désolé. Bon, je vais vous faire une ellipse le temps de trouver, je pense, parce que là, j'ai pas d'idée du tout. Écoutez, on avait trouvé une puce ici la dernière fois, je m'en rappelle quand même. Mais là, elle veut qu'on trouve autre chose et... je sais pas du tout quoi. Là, ici, il n'y a plus de scan qui nous servirait. Donc, bon. Bon, je vous fais une petite ellipse histoire que je trouve. Et puis, bah, je vous retrouve tout de suite après. Allez. Ok, les amis. Bon, je vous retrouve après un petit moment quand même. J'ai trouvé. Ça se trouve ici, en fait. C'est la salle juste en face. D'accord. Nous, on essaye de l'aider depuis là-bas.
En fait, c'est la salle juste en face. Et on peut, en fait, regarder, on peut aller là-dedans. Et vous voyez, mettre des scans. Et mettre des environnements aussi. Donc je pense que ça va nous aider. Et je peux brancher la clé ici, en fait, surtout. C'est ça qui m'a pas mal aidé. Salle de scan. Moi, j'aime... Ah. Copier vers la puce. Voilà. On peut copier vers la puce. Bon, la plage, on l'a déjà, je crois. Réservoir flottant. Données corrompues. Bon, apparemment, on peut prendre... On peut prendre que ça. Et dans les scans, on va les prendre aussi. Ah, je peux pas les prendre. D'accord. Bon, bah déjà, on a ça. Peut-être que ça aidera plus. Parce que le problème, c'est qu'il se réveille un peu... N'importe où, et ça l'aide pas. Mais s'il se réveille dans une salle de scan, du coup. Peut-être que ça l'aiderait plus, déjà. Là, il se réveille derrière, là, en gros. Ok. Ah non, il manque encore un truc. Ok, il pense que c'est... Allez, on recommence. Apparemment, faut recommencer. Donc là, il se demande où est Alice. Are you feeling all right, Mr. Warren? Sean? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Warren. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? Okay, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas, please, ça marche calm pas. Down. I know you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, WoW. You hear me? You won't break me! Okay, il pense vraiment que c'est le WoW, donc c'est... Simon, we need something new to work with. Ouais, okay, mais... Oh non! Je pense qu'il veut Alice ou quelque chose. Là, il n'y a rien. Okay, that's it. Donc là, il n'y a rien. Bon. Bon, les amis, est-ce que je vous refais une ellipse? Parce que l'épisode, au final, on n'aura pas énormément fait de choses. Je pense que je vais vous refaire une petite ellipse. Là, il veut une Alice, je sais pas quoi. Enfin, il demande Alice. Où est Alice? 24 août, là. Il y a une Alice, mais... Bon. Je vous fais une petite ellipse, écoutez, le temps que je trouve. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, les amis, bon. Bah, écoutez, Vous avez vous demandé pourquoi je vous retrouve ici? Bah écoutez, même moi j'en sais rien. Bon, je me balade avec la puce du mec dans les mains, on sait jamais, ça peut servir. Vu que j'ai déjà mis quelque chose dans l'autre puce, j'imagine que je vais devoir en mettre une en plus dans celle-ci. Et en fait, en arrivant ici, je me suis dit on va peut-être trouver quelque chose. Alice, en fait, il veut une Alice, peut-être qu'on va trouver la chambre d'Alice. Et en fait, en arrivant, elle m'a dit je vais vous déverrouiller la chambre de Brandon. Alors, ok. Crieur, et moi, ça m'est arrivé à Theta. J'ai fait mon scan ARC avec Alice. Stromeyer m'avait dit que les mots... Alice Coster? We could try to make him think that she's there during the simulation. Might make him talk. Not sure how, though. Keep looking. Ok. Quel enfoiré, au début ça allait, mais une épouvante migraine est apparue quelques heures. Bon, très bien. Stromeyer a perdu les pédales, il a ordonné l'arrêt de tous les scans destinés au premier arc. Apparemment, Conrad s'est laissé séduire par l'idée de continuité et s'est suicidé sur le siège de pilotage juste après le scan. J'ai comme l'impression que les codes de sécurité vont changer. Je viens d'apprendre avec l'équipe d'inspection Como Ready va aller chercher
Hackers, ça me... Ok, mais y a rien en fait ici. Y a rien d'autre en fait. Ah. Brandon, je me sens complètement chamboulé par le scan. Tout le monde est si courageux, rien que des sourires, pas le moindre regret. Tu te souviens de m'avoir proposé de me tenir la main pendant le scanner? Si ton offre tient toujours, je l'accepte volontiers. Bisous Alice. Ok. Ok. Tu veux qu'on intègre Alice au scan? Comment? Je vais écouter ça. Heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Ah. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her okay. Simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my data profile. Plus 1, plus 2. Ah, voilà. Salle de scan, Alice. Exécuté. Là, c'est bon, là. Tu vas nous donner le secret. Ah, ouais. Il y a Alice, là, maintenant, sur le truc. Is that what we are? Simulations? Yeah, voilà. But it shouldn't make any difference. You're still you. Voilà. I'm not sure what to do with the data. You decide. Écoutez, je les ai supprimées, les données. Rest in peace, man. J'ai supprimé les données parce que je pense que c'est mieux pour tout le monde. Simon, we got it. We can get to the dumbbat now. Get back here. Ok, j'arrive. J'arrive. C'est par là. J'arrive tout de suite. Alors, l'épisode dure extrêmement longtemps pour moi, mais c'est normal, il n'y a pas les ellipses, donc... Ok, c'est bon, je suis là. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Ok. Allez. Sauf que je te rappelle que ça, c'était fermé et que ça s'est ouvert. Hein. Bref, il peut y avoir des gens, quoi. Enfin, des trucs comme on a vu tout à l'heure. Et j'ai pas trop envie de voir des gens comme tout à l'heure, en fait, par ici. Ok, Omnitool, où est-ce que je branche l'Omnitool?
Ça, je vais bien pouvoir m'en servir à un moment, mais apparemment pas maintenant. Je vais aller te rebrancher là-haut, hein. Ça sert à rien ici. Enfin, ça sert à rien. Faut bien venir ici, mais ça marche pas. Je peux pas te rebrancher là-haut. Génial. Ça sert à rien. Non, mais faut bien que j'aille là-bas. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, mais... Je veux terminer cet épisode quand on sera dans le Dumbat. Et qu'on pourra s'en aller d'ici. Parce que j'ai pas du tout confiance là-bas. Ah, mais c'est pas branché. Ok, c'est RP, hein. Ok, c'est RP, quoi. Évidemment, quoi, si on branche pas les choses... Ok, donc maintenant le Dumbat parle et tout va bien. Je crois que c'était juste un sous-marin. Oh mais non, fais pas le mec. Oh là 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 là, ça se finira jamais. Ok, ça c'est pas mal ça, c'est sympa je trouve. Bon, j'ai pas trop envie de m'arrêter, je vous ferai peut-être un épisode très long, mais c'est pas grave. Hein, ça va pas en gêner. Mais j'ai pas trop envie de m'arrêter, j'ai envie de finir un petit peu ici. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire pas grand chose, donc voilà. Je vais garder ma lampe torche, hein. Donc le seul vaisseau qui pouvait nous emmener à Omega ou je sais plus où, Omicron, tout ça, a décidé de dire que c'était notre faute. Que s'il y avait un problème, c'était notre faute. Et puis, du coup, je sais pas trop ce qu'il lui a pris. Et il a commencé à bouger et tout. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de bruit étrange en dessous. Je me sens vraiment en sécurité dans ces conduits d'aération. C'est vraiment bien, vraiment. Ok, bon bah écoutez. Est-ce que je peux brancher... Oui, je peux brancher Catherine ici. Apparemment, ouais. Damn it. The Dumbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dumbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here.
There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Ok, ben écoute, on fera ça la prochaine fois, hein, parce que là, cette fois-ci, bon, je pense qu'on en a fait largement assez pour cet épisode. Je pense qu'on en a fait assez pour cet épisode, donc on va s'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu, il est long, cet épisode, il est très long. Quoique je vais peut-être vous faire des ellipses. Bref, j'imagine qu'il est long. Il doit faire au moins 40 minutes large. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de Soma. Puis en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.